soit c'est l'homme qui est trop méchant. Je pense que le social nous appelle. Il s'agit de quelque chose qui est inné. En réalité, ça ne s'improvise pas hein, d'être dans l'humanitaire, d'être dans le social. Il faut déjà aimer l'humain, aimer l'autre, son prochain. Et puis, accepter certains sacrifices, quitte à s'oublier soi-même pour pouvoir aider les autres. Donc, comment ça a commencé? Ça a commencé depuis l'enfance. Moi, j'ai toujours été serviable. On m'a éduquée dans ce sens-là pour que je sois serviable à ma société, à ma famille, autour de moi. Et j'ai toujours été dans des associations, dans des activités avec les autres, mobilisée pour une amie, pour un ami. On l'a toujours fait. Et après tout, naturellement, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, les gens me découvrent parce que après, ça met en lumière un peu les activités qu'on fait, notamment la collecte de vivres pour, pas forcément la collecte de vivres, la collecte pour l'achat des couveuses. Parce qu'on a fait tellement d'activités, acheter des couveuses pour les hôpitaux, parce qu'il y avait il y a chaque jour des bébés qui meurent au Burkina. On l'a fait. Aider plusieurs personnes, je ne sais pas combien de personnes, mais il y en a beaucoup qui étaient malades. Aider beaucoup de jeunes qui cherchent de l'emploi, à trouver de l'emploi. Aider même des femmes et des hommes à trouver leur âme sœur. Aider des personnes âgées à avoir des fauteuils roulants, à se faire opérer. Des gens qui avaient besoin pour leur santé, leur vie au quotidien. Il y a tellement de choses que j'ai pu faire grâce aux réseaux sociaux parce que ça met vraiment en lumière les activités. Et quand les gens voient ce qu'on fait et qu'il y a du concret, les gens adhèrent. C'est très difficile, mais il ne faut pas mélanger les choses. Par exemple, là, moi, je travaille dans une institution parlementaire. Et par exemple, j'ai par exemple une obligation de réserve par rapport à beaucoup de choses. On ne peut pas être communicant pour une institution comme celle-là et puis pouvoir tout dire et être très visible sur les réseaux sociaux pour parler, par exemple, de politique ou d'autres choses. Donc, moi, déjà que... c'est vrai que je suis la politique, je connais beaucoup d'acteurs politiques, mais très tôt, je me suis mise un peu à l'écart et je suis dans mon œuvre sociale et je ne me mêle pas vraiment des problèmes de politique, même si ce que nous faisons au niveau social impacte la politique. Mais on évite de prendre des positions. Parce qu'au niveau de mon travail, ce n'est pas évident. Je n'aime pas ce droit-là. Donc, et ça ne me gêne pas du tout parce que ça me permet de travailler pour toutes les entités politiques qui sont, par exemple, à l'Assemblée. Si jamais je me retrouve à être mêlée dans des histoires, dans des imbrigolios politiques et des choses pas très évidentes, ça risque de peser sur ma crédibilité. Donc, ma principale richesse, c'est la crédibilité que j'ai. Donc, je la conserve au maximum. Et même dans les œuvres sociales que je fais, je dis toujours, il faut toujours faire les choses, que ce soit clair, que les gens voient ce qui se fait. Parce que, au-delà de ça, il y a ma vie personnelle. Il y a ma vie au travail que je conserve très bien parce que c'est vraiment très sérieux que de travailler à la communication d'une institution comme l'Assemblée législative de transition. C'est vraiment très difficile en tant que femme au foyer, hein. Mais il faut dire que moi j'ai le soutien de mon homme qui m'encourage tous les jours et puis qui souvent me dit « Lève-toi et va faire ton travail ». C'est ça qui est très intéressant aussi. Quand on s'engage dans le social, on a un boulot aussi qui est très prenant comme celui que je fais au Parlement. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le peu de temps que j'ai, je le consacre à ma famille. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui m'invitent à leur dîner gala, leur soirée, le tout, ils ne me voient plus autant comme avant. Avant, j'étais très très active au niveau culture. Je partais à presque tous les concerts, je partais à presque toutes les activités. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai un bébé même. Et en plus de ça, je suis responsabilisée. Donc, quand je quitte le boulot,
La seule chose qui m'intéresse, c'est de rentrer chez moi. Et à part ça, le week-end ou même dans la semaine, souvent il y a des moments où je suis obligée d'aller gérer des cas urgents. Et souvent même dans ma famille, il y a des problèmes. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas très évident. Il faut savoir à un certain moment faire stop, couper par exemple son téléphone, le déposer et puis se consacrer à son bébé, sa famille. Et puis voilà, tout va bien. Tant qu'on a la santé et que Dieu nous donne la force, je pense que je vais toujours continuer ainsi. J'ai beaucoup, tellement de bons moments dernièrement avec la collecte des vivres pour les personnes déplacées internes. On s'est retrouvé avec tellement de vivres. Je suis rentrée, j'ai regardé ça comme ça. Et j'ai dit, mais c'est tout le Burkina Faso qui se mobilise en ce moment. Et voilà, c'est pas nos petites voix en réalité que tout cela est parti. Et beaucoup de villes et de villages vont être vraiment vont bénéficier et ont bénéficié grâce à l'appui de l'armée qui nous a beaucoup soutenus. Donc, par exemple, ça c'est un moment fort dans ma vie sociale. Quand par exemple je sauve la vie d'un enfant qui avait besoin d'une opération, c'est un moment très fort. Quand je sauve la vie d'une personne adulte, il y a une femme qui est tombée dans de l'huile, qui avait le corps totalement brûlé, avec des vers qui sortaient et tout ça. Et c'était vraiment une brûlure qui était très très avancée. On a pu la sauver. Quand j'ai vu la photo avant et après, c'est-à-dire quand elle est tombée, qu'elle n'avait pas de soutien, ensuite avec tous les soins à l'hôpital, j'ai pris les deux photos, j'ai regardé, j'ai dit mais on a fait quand même un miracle. Quand par exemple je regarde, quand je vois, il y a un vieux que j'ai aidé parce que sous la pluie il n'avait pas de vélo, c'est un handicapé. Et j'ai dit, bon, écoute, je vais lui payer une moto. En fin de compte, je ne lui ai pas payé une moto, je lui ai trouvé un vélo. Mais je lui ai fait construire sa maison. Je lui ai reconstruit sa maison, son poulailler, je l'ai aidé à revivre. Parce qu'après cela, il semblait fou, mais il n'était pas fou. Le vieux a commencé à être plus... Quand j'arrive comme ça, je vois comment il m'accueille comme si j'étais sa fille, comme si j'étais de sa famille. Mais toutes ces personnes ne sont pas de ma famille. Mais au fil de temps, ils deviennent ma famille. Et c'est ça aussi qui fait qu'après, si j'en perds un, si je perds quelqu'un que j'ai aidé, j'ai encore mal comme si c'est vraiment quelqu'un de ma famille. Et ça aussi, c'est des très mauvais moments. Par exemple, avant-hier, j'ai une qui est décédée, que j'avais demandé de l'aide pour qu'elle puisse... Elle demandait juste à manger alors qu'elle était... Elle souffrait d'une tumeur. Donc, elle voulait manger seulement pour elle et ses enfants. Elle ne pensait même plus aux médicaments, elle voulait manger. Bon, on a quand même eu quelque chose pour elle. Elle était très contente de passer de ses derniers moments avec ses enfants. Et malheureusement, c'est une semaine plus tard qu'elle est décédée. Et ce genre de moments-là, c'est des choses qui me touchent. C'est des choses qui font que ça me remet... Je me rappelle que nous ne sommes que des humains. Et que malgré tout ce que nous faisons, c'est d'abord Dieu, quoi. Parce que quel que soit ce que vous avez... Quel que soit l'argent que vous avez, les moyens, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un tant que ce n'est pas Dieu qui a décidé que la personne va s'en sortir. Et en tant qu'humain, ce que nous pouvons faire, c'est de compatir toujours et de toujours tendre la main là où il faut. Parce qu'il ne faut pas tendre aussi quand c'est tard, il faut le faire. Et je dis toujours à tout le monde, chacun de nous peut aider. Même autour de toi, regardez, il y a toujours un pauvre, il y a toujours quelqu'un qui a mal. Toujours quelqu'un qui a besoin d'aide, donc il faut toujours tendre la main. Très bien qu'aujourd'hui on dit, banalement dans la rue, on dit il n'y a pas l'argent au pays. Et voilà, il n'y a pas d'argent. Tout est consacré à la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, ces secteurs-là, qui sont l'humanitaire, le social, souffrent beaucoup. L'action sociale fait de son mieux et moi je les félicite toujours, 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 toujours. Ils font de grandes choses. Et merci, ils m'ont même décerné un prix dernièrement avec une attestation de reconnaissance pour tout le travail que je fais. Vraiment, je suis très reconnaissante pour ça. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas assez parce qu'on n'a pas de fonds d'urgence, par exemple, pour des cas les plus dramatiques, les plus difficiles. Il y a aussi au niveau de la santé, le plateau technique est insuffisant et dépassé, souvent délabré. Il faut en parler, les médecins font de grandes choses, mais
Est-ce qu'on peut construire une maison sans avoir ne serait-ce qu'un peu de sable? Non, on ne peut pas. Il faut du sable, il faut de l'eau, il faut du ciment, il faut après la volonté et l'être humain pour faire le reste. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent, qui font que c'est tellement difficile de pouvoir gérer les cas aujourd'hui que il y a des moments j'en refuse beaucoup. Parce que comme vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux que j'ai aidé une personne, c'est qu'il y a 100 personnes que j'ai refusées. 100 personnes ou 200 même, parce que les gens viennent en masse. On vient chez moi, on vient en famille, on m'appelle au téléphone, on vient sur tous mes numéros WhatsApp, on appelle mes collègues, on appelle mes amis. Il suffit même que je fasse un commentaire dans la publication d'une personne qu'on harcèle la personne pour dire qu'on a besoin d'aide. Les gens sont vraiment démunis, ils ont besoin d'aide. Si j'avais de l'argent, je saurais quoi faire. Voilà. On ne peut pas s'arrêter puisque c'est inné. Mais maintenant, peut-être ce ne sera pas au même niveau en réalité. Parce que quoi qu'on dise, chaque jour on aide toujours quelqu'un. Moi, je n'arrête jamais d'aider. Je l'ai toujours fait avant d'être connue. Ce n'est pas quand je vais peut-être dire que j'arrête de faire de l'humanité. Je dis toujours que j'arrête. Hein. Tous les jours, je dis j'arrête. Mais les gens m'interpellent toujours, les gens viennent toujours. Donc. Mais il y a des situations qui me touchent. Plus que d'autres, c'est humain, hein, c'est humain. Quand par exemple quelqu'un te dit que lui son problème c'est de payer son loyer et quelqu'un d'autre vient te dire que son problème c'est parce qu'il veut un médicament, sinon il va mourir demain, tu vas vite choisir. Tu vas dire bon le loyer peut attendre, mais le médicament il en a besoin pour vivre. Donc il y a forcément des situations où on ne va pas, où je vais pas arrêter, si c'est pas peut-être quand le Seigneur va me rappeler vers lui. Ce sont des termes. Hein. Je ne suis pas une spécialiste du domaine. On me dit que je suis influenceur, d'autres me disent que je suis activiste. Puis, activiste, même au début, quand on disait activiste, c'était péjoratif hein, à un certain moment. Parce que quand on dit activiste, les gens voyaient toujours quelqu'un qui prend un téléphone, qui suit un politicien pour faire de la propagande. Bon, et ensuite, on s'est rendu compte que non, il n'y a pas que ça. Il y a des activistes comme nous. Nous ne faisons pas de la propagande politique, mais nous faisons de l'activisme pour la culture, nous faisons de l'activisme pour le social, pour l'humanitaire. Donc après, bon, le terme s'est un peu allégé et puis on a commencé à comprendre que l'activisme n'est pas forcément un problème. Quand on parle par exemple des 100 jours d'activisme pour la femme, de tant de jours d'activisme pour l'enfance, pour ce temps. Donc ça a commencé à s'alléger. Et l'influenceur, c'est une personne qui a une communauté et qui arrive à influencer d'une manière ou d'une autre cette communauté-là. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, s'ils portent un habit, tout le monde veut porter l'habit. S'ils mangent tel plat, tout le monde veut manger le plat. S'ils font ci, ou bien. Mais c'est surtout la base de ta communauté qui est importante. Est-ce que tu arrives à influencer? C'est vrai que moi, j'arrive à influencer parce que quand on parle de social, quand je partage une idée, les gens adhèrent. Il y a beaucoup de personnes qui adhèrent. On parle aussi du nombre de la communauté que tu as. Il faut avoir beaucoup de personnes qui te suivent. Bon, quand même, actuellement, avec ma page, pas ma page, mon profil personnel, je suis à près de 100 000 personnes qui me suivent. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même 100 000 personnes dans le monde et au Burkina qui pensent que je dis des choses sensées et qui sont intéressées par ce que je fais. Donc, si on dit que je suis influenceur, je ne dis pas non aussi. Parce que j'influence à un certain niveau. Mais, est-ce qu'il y a une différence entre les deux thèmes? On peut être un activiste et être un influenceur. Il y a des gens qui font de l'activisme, par exemple, qui font du social, mais qui ne sont pas connus. Ils font du social. Ils n'influencent pas forcément sur les réseaux sociaux, mais ils influencent sur le terrain. Voilà, et ils impactent sur le terrain. Mais on ne leur reconnaît pas le thème d'influenceur. Bon, donc c'est vraiment relatif, hein. C'est vraiment relatif. Moi, je pense que la femme qui va chercher tous les matins sa tomate pour venir vendre au marché, moi, je pense qu'elle m'influence grave. Parce qu'elle a une joie de vivre souvent. Et puis, elle a une force pour se battre qui, moi, m'influence. Donc, moi, quand on me demande mon influenceur, je me dis, elle m'influence.
Donc, c'est vraiment relatif. Ce n'est pas, par exemple, celle qui frotte les produits, qui est toute blanche, et puis qui va faire de la chirurgie esthétique pour avoir des formes, je ne sais pas, Coca-Cola et tout ça, et puis qui passe par elle, elle ne m'inspire pas, elle ne m'influence pas. Donc, pour moi, ce n'est pas mon influenceur. Donc, c'est vraiment quelque chose de relatif. Et ça dépend de chacun. Voilà, libre à nous de nous laisser influencer ou pas. Mais je milite beaucoup pour que les gens soient influencés par moi. Parce que si ils sont influencés par des personnes comme nous, dans le social, on ne pourra qu'apporter des belles choses au pays. Parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent du social. S'il y a beaucoup de personnes qui font du social et qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent aux plus pauvres, mais on va sortir de ce problème. Moi, je ne vais plus rien faire. Moi, je ne vais plus rien faire parce que, bon, au moins, on aurait servi à impacter quelque chose et puis tout est fait. Moi, mon rêve pour la femme burkinabé, c'est que cette femme-là se retrouve un jour dans un monde où il y a plus d'égalité pour elle et où il y a plus d'opportunités pour elle. Il faut que nous donnions la possibilité aux femmes de pouvoir se réaliser. La femme burkinabé, de prime abord, a besoin de, je dirais, trois choses. La première chose, c'est d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Et il faut aussi qu'on puisse les sensibiliser pour qu'elles sachent. Parce que moi, je vois beaucoup de cas où elles cachent leur maladie, faute de moyens pour aller se soigner. Des problèmes gynécologiques, des problèmes de cancer de sein, de col de l'utérus. Il y en a tellement, 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 sans qu'il y ait des prises en charge. Le cancer de sein aujourd'hui, c'est vraiment l'hécatombe. Les femmes meurent beaucoup. Je reçois tout le temps des photos sur mon téléphone. C'est des « Madame, s'il vous plaît, au nom de Dieu, aidez-nous. On n'en peut pas, il n'y a pas de moyens. On est en train de mourir. » Ça, c'est tous les jours. Donc, la femme burkinabé a besoin qu'on vole à son secours, surtout au niveau de la santé. La femme burkinabé a besoin qu'on l'aide pour des financements pour qu'elle puisse faire ses activités. Ça, c'est deux. Parce que quand on parle de résilience entrepreneuriale, c'est la femme burkinabé. La femme burkinabé ne baisse pas les bras. Tous les jours, elle est debout avant tout le monde. Sortez, vous allez voir. Ce sont elles qui balaient les rues, ce sont elles qui ramènent les légumes des villages, ce sont elles qui font tellement de choses. C'est quand je vois une femme burkinabé qui me dit qu'elle ne travaille pas, je dis non, tu ne dis pas la vérité, tu travailles. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas un boulot dans un bureau, mais regarde ce que tu fais à la maison. La femme burkinabé est une très bonne ménagère. Quel que soit le niveau de la femme burkinabé, elle est une bonne ménagère. C'est... demander à chaque femme d'y réfléchir, de vraiment penser à la solidarité, c'est une très bonne chose. Si chaque femme peut aider une autre femme, je répète, je pense que nous n'aurons pas une femme qui va pleurer demain. Je bénis la mère, je respecte la femme.